Merci d'être avec nous. Bonne rencontre en direct du Sens Sportif. La Croix-Tutine s'est remportée par Gadoury. Ça revient à Zorn. Zorn, belle feinte, le tir. C'est l'arrêt de Girard. Oh, okay, wow. L'arrêt de Girard. Ouais. Il vient d'en voler une en plongeant. La Rose contourne le filet, cherche des options. Devant le tir, le but. Ouais, on s'est fait prendre là, dans le haut du territoire. On était trois chandails noirs, ce qui a donné beaucoup d'espace là, du côté des pétroliers en bas de zone et ça a permis de s'installer. Et Thibault cherche à rentrer. Et Parker qui en donne une bonne. Thibault qui tente de répliquer. Et Thibault, ça commence à s'ouvrir. Oh, bon coup de Parker là-dessus. Et Parker qui renverse André Thibault. Breton qui va frapper Danick Paquette. Et Paquette qui est allé frapper Chagnon. Talbot Tassi qui était frappé par Breton. Face à Labbé qui tire l'arrêt de Pagliarulo. Un petit peu de moutarde avec un ça. Un peu de moutarde, hein? Verret. Cherche d'option. Tente de remettre à Tiffu. Tiffu. Oh, oh, et Verret sonné, là. Ouais, il était bloqué ouais, solidement. Il était bloqué solidement. Et Dylan Labbé qui veut aller chercher Danick Paquette. Et Tiffu face à Joannette. Et Joannette qui a été frappé solidement et est sonné sur la séquence. Je ne penserais pas, donc Potvin va aller. Ah, ben oui. Ah. Et Potvin qui veut s'en prendre à Coutier. Bon coup de Potvin et là, Coutier qui revient. Ah, oh, le chandail ouais. Sur la tête, ça c'est automatique. Directement sur le bâton de Bouchard. Bouchard qui oh. Vient frapper Alan Caron. Perd partiellement, reprend. Remet devant. Coutier qui pousse sur Chagnon. Tire d'Hamelin, le but. Brendan Hamelin. C'est 2-0. Cette fois-ci, c'est. Je crois que c'est Chagnon qui a touché à cette rondelle accidentellement. Ça crée de l'espace, Zorn toujours à Larose. Face à Bourque. Larose toujours. Tente de se créer de l'espace. Revient devant le tir, le but! Ouais, Marc-Éric, je crois que Bourque avait perdu son bâton. Donc, Je crois que Carrie a touché la rondelle. Moutier tente de récupérer. Il cherche l'arrivée de coéquipier. Labbé. Tire le but! Dylan Labbé! Et ça, ce but-là va faire du bien du côté du Clément parce qu'on sentait qu'on glissait là, vers le bas et finalement Labbé qui. C'est Hamelin. Et attention, c'est 2 contre 2. Et là, on a retenu Hamelin. On met à Joannette. Tire le but! Oh, le but! Ouais, oh, oui. Oh, oui. Ben, sinon, oh, oui, c'est tout qu'un tir, ça. Ça, c'est 3 pots de biscuits qui viennent d'être cassés. Non, oui. Quel lancer! Ben écoute, l'espoir a été de courte durée du côté du coup FM. La garde dans le cercle, la garde, fin. Tente le tir, mais bien joué par Medley. Devant pour Gosselin qui tire, arrêt. On tente de remettre devant, Breton pour Chagnon. Chagnon qui renvoie à Caron. Caron qui tire, arrêt, oh! Pagliarulo. Oh, 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 là c'était oh! Du ouais. Martin Brodeur. Ouais, Gadoury, le mêlée qui éclate devant le filet, Breton est là. Chagnon est là aussi. Hamelin qui a fait, je sais pas, une prise de lutte. Labbé qui tire. C'est le Hudon qui plombe. Rondelle libre, on peut récupérer. Verret, ligne rouge, ligne bleue. Rentre dans le territoire, remet Veillette, Veillette dans le cercle. Tire, arrête, oh. Pagliarulo. Encore une fois. Permute avec Bourque, Tremblay. Devant pour la garde qui ne peut contrôler. Joannette qui va renvoyer ça jusqu'à l'autre bout, dans un filet désert. Et c'est 5 à 1. Écoute, il n'est pas juste dans l'enclave qu'il est précis, Joannette, de son propre territoire. Et ça... Deuxième ronde. Ouais. C'était un bon. Oh, ça, c'était un bon, ça aussi. Ça, c'est des oh, bons. Parker qui réplique, là. Oh, ça, c'était des bons aussi. C'est une victoire morale. Je comprends pas plus, on va revenir. Qui est premier, hein? C'est-tu? Alors que... Vas-y, là, sur Maxime. Marque finale 5-1 Laval. Oui, ça a commencé avec Nathan Larose qui a inscrit son 7e de la saison.